L'eau précieuse est différente, vous allez vous rendre compte. Elle est très différente de l'eau lustrale. L'eau lustrale, comme nous avons dit, c'est une eau maïtisée. Maïtisée par la parole, par le verbe humain. Mais avec l'eau précieuse, c'est la différence. C'est-à-dire, l'eau précieuse ici est plutôt maïtisée par la lumière lunaisonnière. Vous allez comprendre pourquoi je parle de lunaison. Alors, par la lumière donc de la lune. Et vous allez comprendre que l'eau précieuse ne se fait pas en une fois. Ça se fait tous les jours sous 6 mois, donc sous 6 lunaisons. Ça veut dire que tout ce qui est rayon ultraviolet du soleil ne doit pas toucher à votre eau. Vous comprenez bien? Vous ne laisserez jamais pénétrer dans votre eau précieuse l'infiltration des rayons ultraviolets du soleil. Donc, la lumière du soleil ne doit pas toucher ou bien ne doit pas pénétrer votre eau précieuse que vous êtes en train de confectionner. Maintenant, comment la confectionner cette eau précieuse? Vous prenez simplement un récipient propre. Vous y mettez de l'eau de source. Ça peut être même l'eau de mer. L'eau de source, c'est-à-dire que l'eau qui n'est pas l'eau du robinet. Ça peut même être un contenu qui est composé de l'eau minérale. Vous mettez donc tout ça dans un seau d'eau. Ça peut être un seau de 10 litres ou de 20 litres, c'est comme vous voulez. Vous mettez donc ce seau d'eau sur votre toiture de la maison. Alors, toujours après 18 heures, c'est-à-dire que quand le soleil s'est déjà couché, donc vers 18h30, 19h, vous mettez donc ça sur la toiture de votre maison. Cette eau-là doit séjourner jusqu'à le lendemain. Et je dis bien jusqu'à le lendemain, avant le lever du soleil, c'est-à-dire vers 5h, 5h30, vous êtes déjà réveillé, afin de pouvoir l'enlever de la toiture et la remettre là où la lumière du soleil n'atteint pas. C'est-à-dire, ça peut être dans votre maison ou une autre maison cachée, sous le lit par exemple, ou alors dans une maison qui est complètement hermétiquement fermée, où la lumière du soleil ne va pas atteindre. Ainsi, vous avez l'eau précieuse. Et cette eau est véritablement précieuse en ce sens qu'elle a des vertus thérapeutiques qui peut guérir jusqu'à 99% de maladies. Ça peut être d'une infection microbienne, ça peut être d'une infection psychiatrique ou alors une infection psychologique. Ça peut aussi être, par exemple, une infection, une pandémie quelconque, le sida par exemple. Ça peut aussi être une maladie incurable comme le diabète, comme l'hypertension. Vous buvez simplement de cette eau-là. Et quand vous la buvez, simplement, vous savez ce qui va arriver. Vous pourrez trouver la guérison de façon instantanée. C'est comme ça que travaille l'eau précieuse. Maintenant, si vous avez, par exemple, une infection, des pustules qui apparaissent, des taches qui apparaissent sur le corps, vous pourrez simplement prendre du coton, l'imbiber dans cette eau précieuse et nettoyer avec du coton votre corps et vous trouverez donc ainsi votre guérison. Voilà donc les miracles de l'eau précieuse. La spécificité de l'eau précieuse, comme vous l'avez entendu, est de guérir toute forme de maladie. Tous les formats de maladie sont précis. Ici et maintenant, elle peut guérir toute forme de maladie. Pour que vous compreniez la véracité des propos que je tiens à partir de l'eau précieuse et à travers l'eau précieuse, surtout concernant l'eau précieuse, je vais vous faire vivre une expérience instantanée au cours de cette édition. Alors, pour cela, cherchez un verre d'eau. Je dis bien, prenez un verre d'eau. Déposez-le sur la table. Prenez de l'eau minérale, déposez-la sur la table et cherchez un petit caillou, déposez-le sur la table. Je vais vous dire après ce pourquoi vous allez l'utiliser et comment vous allez l'utiliser. Je dis bien une expérience instantanée, une expérience directe. Ce n'est pas que vous allez le faire le lendemain, vous allez le faire maintenant. L'émission est en direct sur Info TV, mesdames et messieurs. C'est un moment de télévision unique parce que beaucoup de gens disent « Oh, monsieur Benoît Biton est un sorcier ». Non, faites l'expérience que je vais vous demander de faire et vous allez voir le miracle produit par notre spiritualité négro-africaine. Mesdames et messieurs, c'est sur Info TV où ça se passe. Ici et maintenant, voici Carrefour des Mystères. Dans une forme que tu apparais dans les rêves de quelqu'un. Oui. Quelqu'un rêve qu'il est en train de manger la nuit. Mm-hmm. Alors que ce n'est pas un. Voilà, alors, je reviens sur l'expérience que vous allez vivre tout au long de cette édition. Cherchez un verre d'eau, vous le déposez sur la table.
Vous prenez de l'eau minérale, vous déposez sur la table. Prenez un petit caillou, donc sortez et cherchez un petit caillou, vous le déposez sur la table. Je vous dirai après comment vous allez l'utiliser afin d'obtenir instantanément de l'eau précieuse. Et instantanément, vous allez vivre une expérience mystique spirituelle immédiatement et vous verrez le résultat après. Vous me direz à la fin de l'émission qu'est-ce que vous avez ressenti. Mais d'abord, cherchez ce que vous avez demandé. L'émission Le Carrefour des Mystères est un carrefour, un agrégat de connaissances, un agrégat de forces spirituelles et surtout qui échappe aux pesanteurs sociologiques. C'est ce que j'ai voulu donc retracer ici à la chaîne de télévision. Sur une chaîne de télévision, donc, nous arrivons à faire démontrer aux Africains et aux nécessités de notre spiritualité combien elle vaut, combien elle est et comment est-ce qu'elle est escamotée. Bref, c'est une édition de mysticisme spirituel négro-africain que je mets en lumière afin que vous puissiez comprendre les véracités, les nécessités et surtout de pouvoir séparer la bonne graine de l'ivraie. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Voici maintenant l'aventure mystérieuse. Remettre la lumière. La richesse de la pensée spirituelle de Patrick Guémandong. Est-il possible à des personnes circulant nuitamment de traverser des endroits qui n'existent pas? L'aventure mystérieuse du carrefour des mystères. Une perpétuation de l'œuvre d'un grand maître. Son héritage, la suite dans ses idées. Oh, bien sûr! On raconte beaucoup de choses sur le monde de la nuit. L'initiation mystique aux spiritualités négro-africaines. L'aventure mystérieuse sur Carrefour des Mystères. Éternisez l'œuvre de Patrick Guémandong. Quand je rentrais de l'école, au moins un. Et maintenant, ils ont dit à ma petite sœur d'avancer. Ils m'ont demandé s'ils peuvent venir à la source pour les rencontrer. J'ai dit oui. Et comment elles s'appellent ces trois filles? Elles s'appellent Anna, Julienne et Emilienne. Qui encore? Et toi? Ça fait quatre? Oui. Voilà, donc vous êtes donc une bande de filles de quatre? Oui. Bien. Maintenant, elles t'ont proposé quoi? Que vous vous rencontriez à la source? Et à la source maintenant, quand tu t'y rends, qu'est-ce qu'elles te disent? Elles me disent que leur grand-père est marabout, que leur grand-mère donne les choses aux gens pour qu'ils doivent mourir. C'est-à-dire que ses grands-parents étaient des sorciers. Bon, qu'est-ce qu'elles t'ont dit d'elles-mêmes? Qu'elles étaient elles aussi sorcières ou quoi? Qu'elles ont la magie. Et leur magie est sous-tend à faire quoi? Ça sert à tuer les gens, à se transformer en corbeau et en souris. Comment est-ce que vous devriez faire pour vous rencontrer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu te transformes comme elle, toi-même? Je prends, elle me donne le produit, la poudre, pour que je devienne une souris. Pour que je devienne une souris et le liquide noir pour que je devienne le corbeau. Bon, c'est-à-dire donc que pour que vous vous rencontriez, est-on donné aussi une autre poudre que tu mettes dans tes yeux ou bien où? Dans mes yeux pour que je puisse les voir. C'est-à-dire c'est comme ça donc que vous devriez à chaque fois quand tu te mets la poudre dans les yeux, quand elles viennent te chercher, tu arrives à les voir. Est-ce que le jour là où elles te disaient ça, tu n'as pas eu peur? Parce qu'elles m'ont dit que leur grand-père et leur grand-mère sont des sorciers. Et me suis étonnée, elles m'ont posé la question. Elles m'ont dit que ce n'est pas, tu ne trouves pas ça bien. Elle dit que c'est bien, non? Le premier jour, quand elles sont venues te chercher, ça s'est passé comment? Elles sont venues me chercher en esprit. Oui. Par là, une autre personne m'a remplacé dans mon corps. C'est-à-dire, je comprends bien. Toi, tu es sorti de ton corps. Mais pour que ton corps reste en vie, quelqu'un d'autre est entré prendre ta place dans ton corps. Oui. Et alors, quand vous vous êtes réveillé, donc quand tu t'es retrouvé là-bas avec elle, nous avons commencé à pêcher les poissons. Donc vous vous êtes retrouvé au bord d'une rivière. Vous avez commencé à pêcher les poissons. Oui, et on les faisait sortir de l'eau, on les donnait à manger. Puis on les remettait dans l'eau. Mmh. Puis une vieille grand-mère sortit. On la saluait, elle a dit qu'ils ont réussi, qu'elle les félicite.
Puis quand elle a recommencé à entrer dans l'eau, elle est redevenue jeune. Alors, cette petite fille nous démontre ici la maison parapsychologique de notre spiritualité négro-africaine. Cette maison parapsychologique démontre quoi? Que moi, le Mbombo Binoabiton, avec mon épouse prêtresse, nous avons engagé une recherche parapsychologique qui nous permet de pouvoir délier les langues comme cette petite fille qui détourne là, justement, et en plus maintenant d'utiliser leur véracité verbale, l'émission d'une certaine expérience mystique et spirituelle qui servira demain à la science négro-africaine. Je dis bien à la science négro-africaine pour que celle-ci ne soit plus utilisée pour faire du mal, mais plutôt utilisée pour développer notre spiritualité, une, deux, de pouvoir développer notre conscient collectif, trois, de pouvoir s'asseoir maintenant sur le banc de la recherche scientifique et de pouvoir développer notre environnement immédiat. C'est de ça qu'il est question. Cette petite fille donc enlevée du sein de sa mère pour pouvoir participer à l'éclosion d'une sorcellerie, elle devient donc de fait une sorcière, comme vous l'avez entendu dire. Mais ce n'est pas tout, on l'écoute encore. Quelle est donc la manière que elles utilisaient les trois filles pour pouvoir se transformer? Quand elles demandent déjà leur transformation, ça vient directement. Donc ça vient de façon immédiate. Oui. Mais maintenant, pour que toi tu te transformes soit en corbeau, il faut faire quoi? Il faut que j'utilise le liquide noir pour me oindre ça sur le corps. Voilà. Et maintenant, pour te transformer en souris, qu'est-ce que tu fais? Il faut que j'utilise la poudre noire pour mettre sur mon corps toujours. Comment vous faites pour savoir comment il faut attraper quelqu'un? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous faites? En possédant la manière du corbeau. Nous prenons une forme de corbeau. Oui. Puis nous montons sur les toits. Oui. Nous nous mettons à frapper les toits. Oui. Puis dès que le propriétaire de la concession sort, ou une autre personne qui vit dans cette concession sort pour nous voir, là, nous fuyons, nous partons, rester près des nuages. Nous regardons bien la personne. Dès que la personne recommence à entrer dans sa maison, on prend la forme d'un esprit. On part. On cible tous les coins de sa maison. On regarde sa chambre. On cherche la cachette. Ou bien si on voit une cachette, on cherche là, on va se cacher vers les 17h. 17h, quand ça a sonné, on passe dans cette cachette. On reste. Après, dès que la personne vient se coucher, moi, je reste à la garde. Julienne a le sac des perfusions, des seringues. Emilienne a la bouteille où elle va mettre le sang. Et Anne apprend le sang. Et vous l'amenez où? Elle dit que leur grand-père veut le sang frais. Je rappelle que leur grand-père était marabout. Bon, et leur grand-mère est une sorcière tueuse, dont les deux sont des sorciers tueurs. Bon, donc voilà donc le but pour lequel vous prenez le sang. Vous comprenez la mystagogie de l'activité de cette jeune fille sorcière. Elle agit en bande. Et l'action en bande qu'elle fait, normalement, c'est une action tueuse. Donc, elle ne le fait pas pour rigoler, ni pour les beaux yeux de ses victimes, mais c'est pour les tuer. Alors, je pose la question différemment. Et si on pouvait utiliser la même technique qu'elle utilise pour pouvoir devenir le corbeau, la souris, ou alors quelle autre bête et animal maléfique, est-ce qu'on peut l'utiliser pour pouvoir faufiler par exemple la science mystico-spirituelle? Parce qu'avec toutes ces connaissances, avec toutes ces sagesses, comment l'Afrique peut-elle encore être en arrière? Pourquoi on peut encore être en arrière alors que nous avons ce genre de sagesse? C'est la raison pour laquelle je mets en activité Carrefour des mystères, afin de pouvoir réunir tous les mystères nécessitants vivant en Afrique, afin de pouvoir les sursoir, de pouvoir éveiller maintenant la conscience et élever la conscience sur la mystagogie, mais mystiquement, spirituellement, scientifique, afin de pouvoir développer notre environnement immédiat. On écoute encore cette petite fille Fatou. Et maintenant, quel est le sort de la victime, c'est-à-dire la personne à qui vous avez pris le sang, qu'est-ce qu'elle devient? La personne peut tomber gravement malade. Oui. Ou la personne peut mourir. Bon, maintenant, la transformation en souris se passe comment? Là, elle demande qu'elle veut devenir des souris. Là, elle devient immédiatement. Oui. Mais toi, pour devenir une souris? J'utilise la poudre. Je me mets ça sur le corps et devient souris. Oui. Je pars dans les plats que les gens ont laissé leur nourriture qu'ils vont manger après.
on se transforme, on mange la nourriture, puis on attire les cafards. Ou bien, si on ne fait pas ça, on vole l'argent, on part avec. La personne qui est entrée dans mon corps, je lui dis dans les endroits où il va fouiller, mais qu'il prenne surtout les pièces. Après ça, quand il prend l'argent, il me donne. Chacun a ramasse l'argent. Et celle qui est dans mon corps a le sac où elle va mettre l'argent, où elle porte un appliqué à les poches. Dès que nous commençons à sortir, on rend l'argent invisible. On prend ça, on part avec. Et vous faites quoi de cet argent après? Tout l'argent revient à eux. Parfois, elles me donnent seulement 25 pour que je dois acheter le bonbon. Chaque jour, elles ont les nouveaux vêtements, mais elles ne portent jamais autre couleur à part le noir. Quoi d'autre vous faites encore? Peut te rendre malade. Oui, c'est-à-dire vous avez pu jeter la maladie. Oui, on peut mettre la zizanie entre toi et ta famille. C'est-à-dire vous créez aussi les divisions. Alors, on peut mettre la zizanie dans une famille, on peut détruire toute une famille. Ce sont les mots de cette petite sorcière. Mais on peut, d'un autre côté, aussi développer l'Afrique en utilisant ces mêmes choses, ces mêmes mystagogies pour pouvoir développer la conscience intellectuelle de nos légendaires africanistes qui sont les plus grands, les plus forts, les plus grands savants, qui sont derrière les grandes inventions. Mais malheureusement, la mystagogie nécessitaire africaine ne peut être utilisée que pour pouvoir faire du mal. C'est pour détruire les autres que justement ce genre de mystico-spirituel agisse dans l'ombre. Pour la jalousie, pour détruire les autres, quand un individu a peut-être une bonne socialité, un bon rang social, on le détruit par la jalousie. Les Africains ne s'aiment pas entre eux. Ils utilisent leurs forces mystagogiques pour pouvoir se détruire entre eux. C'est très dangereux. Alors ces malades, donc là, je les confine la plupart du temps dans un socle pour pouvoir les guérir. Par exemple, le samedi 5, je serai à Kribi pour pouvoir faire une nuit de délivrance. La délivrance qui est justement la pratique mystagogique, mystique, maléfique de ces gens de sorciers qu'ils font. Donc Kribi, donc samedi 5 mars 2022. Mais je serai aussi à Cotonou. Ce sera le 26 mars à Cotonou parce que là-bas, justement, il faut apporter les stages initiatiques, les consultations et les guérisons mystiques du même ordre parce que le même type de mysticisme est utilisé en Afrique, partout ailleurs. Pourquoi les Africains sont-ils ainsi? On ne peut pas le comprendre. On ne saura jamais l'expliquer. Mais on sait simplement que les Africains, au lieu d'utiliser leurs forces maléfiques, ils peuvent utiliser autre chose, utiliser la même mystagogie pour pouvoir développer l'Afrique. Mais pourquoi ne le font-ils pas? C'est parce que nous sommes en crise de spiritualité. Je vous ai dit, l'Afrique n'est pas en crise politique, il n'est pas en crise économique, on n'est pas en crise financière. On est en crise de spiritualité. Parce que si on élève notre mysticité, notre spiritualité, on résout toutes les questions adjacentes, dont les questions économiques, les questions d'ordre politique, les questions d'ordre mystagogique et toutes les autres questions nécessaires. On écoute encore la petite Fatou et on revient. Dis-moi, dans votre activité de sorcellerie et de tuerie, vous avez déjà tué combien de personnes? Je sais que moi, je connais seulement deux personnes, un petit garçon. Et une fille qui est comme moi. Mais le groupe a déjà tué beaucoup de gens. Mm-hmm. Et je rappelle que ton frère, à l'heure où nous parlons, est mort. Est décédé et est dans la morgue. Et c'est vous qui l'avez tué, n'est-ce pas? Réponds. Réponds fort, c'est vous qui l'avez tué. Bon, maintenant, parle-moi. Comment est-ce que vous avez choisi ton propre frère? Même père, même mère, vous avez le même ventre, le même sang dans vos veines. Comment tu as fait pour qu'on te convainque de choisir ton frère comme victime que vous allez tuer? Ma petite soeur avec qui j'étais, mon grand frère, ma grand-mère, ma grande soeur, qui est à Bafoussam, ils ont dit que pour accéder à ces grandes personnes, il faut les deux petites personnes. Ils ont dit que ma petite soeur, elle ne peut pas parce que Elle ne sort même pas, son père va refuser. Donc, on dit qu'ils vont commencer par mon frère. Mon grand frère m'a énervé, puis je les ai dit à eux. Ils m'ont donné une poudre pour que je dois mettre soit dans son verre d'eau ou de jus, ou mettre dans sa nourriture. J'ai dormi dans sa sauce, puis il a mangé. Il a dit qu'il ne se sent pas bien, qu'il a les nerfs. On l'a amené à l'hôpital, on a trouvé la rate. Maintenant, après ça, ils m'avaient encore nervé, je les ai dit. Ils m'ont donné un truc comme le savon, que dès qu'il va se laver, il lui faut ça. Maintenant, dès que nous sommes allés à la rivière pour nager,
Quand on nageait maintenant, il a pris ses photos sur son dos. Il a dit que oui, il le voit là, il ne sent même pas, il ne sent plus son corps. Je les ai dit, ils ont dit que c'est comme ça que les choses là doivent avoir l'effet. Après, comme je les ai dit que mon frère est intelligent et moi je ne suis pas plus intelligente que lui, ils m'ont dit que la nuit où il va dormir, je prends ma tête, je prends mes mains, je pose sa tête. Puis dès que j'enlève, je pose ma tête. Après maintenant, j'ai fait ça. Elles sont maintenant venues me chercher. Elles m'ont montré une boule. Dès que j'ai vu la boule là, j'ai demandé ce que c'était. Ils m'ont dit que c'est le cerveau de mon frère. Ils ont coupé une petite partie, ils m'ont frotté ça sur le corps. Et puis, leur boule qui restait, ils ont mis ça dans une bouteille. Puis, dans une bouteille qui contenait le sang. Puis, je n'ai plus jamais revu la bouteille. C'est comme ça que la petite Fatou, avec ses consoeurs maléfiques, ont tué sa petite sœur et son petit frère. C'est comme ça qu'elles se sont réunies pour tuer le petit garçon. Et ils l'ont tué. Ils l'ont tué et mangé son cerveau, justement. Mais la sempiternelle question africaine demeure, et je la pose toujours. Comment ne peut-on pas utiliser les mêmes effets mystagogiques pour le développement scientifique, pour le développement technologique? Tout ce que les Occidentaux font, ça nous écœure. Nous l'aimons, nous aimons la technologie occidentale, nous aimons le téléphone portable, nous aimons la téléphonie, nous aimons tout ce qu'ils font. Mais nous pouvons le faire aussi. Attention, tout ce que les Occidentaux ont trouvé, nous pouvons le trouver aussi en utilisant les mêmes formats. C'est la raison pour laquelle je me mets en place tous les jours, nuit et jour, où j'ai créé avec mon épouse prêtresse la maison de la parapsychologie, afin de pouvoir partir à partir de ce genre de faits pour démontrer maintenant à la surface de la conscience ce que c'est que la mysticité, ce que c'est que la mysticité négative et pourquoi on peut utiliser aussi la mysticité positive. Justement, la petite Fatou, tu nous révèles tout. Elle nous dit comment elle a fait pour tuer son frère. Mais on peut aussi utiliser les mêmes formats mystiques pour pouvoir guérir, scientifiser, arriver à l'éclosion d'un nouveau corps de sciences spirituelles qui permet qu'on puisse se développer. La petite Fatou nous dit aussi, en dernier lieu, ce qu'elle fait encore dans ce monde mystique. Il est libre, grandeur, nature. Il enseigne, il professe. Il y a les esprits de l'eau, les esprits de feu, les esprits de la terre et les esprits de l'air. Et apporte un éclairage parfait sur les méthodes de délivrance de la sorcellerie jamais dévoilée jusqu'ici. Il y a par exemple la persuasion hypnomaïtique, il y a la fascination hypnomaïtique, il y a l'hypnose et il y a aussi l'hypnotisme. Toute pratique ici d'exorcisme mineur ne peut pas marcher ça. Oui, si on impose la main sur elle, si on dit au nom de Jésus, au nom de ceci, au nom de tout puissant, ça ne peut pas marcher. L'exorcisme selon le Mbombok pour apprendre, comprendre, savoir tout sur la pratique de l'exorcisme. L'exorcisme n'est pas une profession. L'exorcisme, c'est un art spirituel et mystique qu'on atteint par l'évolution et par la progression sur le sentier de l'initiation spirituelle. Je n'utilise rien, mes mains sont simples et saines. Je plonge simplement mon regard dans le ciel. L'exorcisme selon le Mbombok, c'est un recueil pratique des grandes recettes tirées des documents akashiques, la grande bibliothèque de l'univers. Pourquoi on vous dit toutes ces choses? Pour que vous compreniez la réalité et la valeur spirituelle d'un exorciste. Parce qu'on vous a tellement menti, on vous a tellement dit des choses, on vous a tellement montré des choses, des gens ont imposé les mains sur les gens ont chuté, ils ont eu une sensation, rien de sensationnel, ils ont produit cela dans les médias, ils ont trompé les gens, maintenant la récréation est finie, on montre les vraies choses, regardez-moi. L'exorcisme selon le Mbombok. L'heure est arrivée maintenant à la pratique de la réalisation d'un pentagramme. Comment le réaliser-t-on sur un tel sujet? Notre petite Patou, qui est une sorcière tueuse, et je rappelle qu'elle a tué son frère, ou alors avec elle, avec son aide, le groupe dont elle fait partie a tué son frère. Et son frère, à l'heure où nous parlons, est à la morgue. Nous devons donc la délivrer de ce contexte-là, donc de cette entité maléfique sorcière qui peut être une secte invisible. Comment donc nous allons procéder? C'est simple. Quel matériel d'abord il faut disposer pour faire le rituel du pentagramme? C'est tout simple. C'est ça qu'on va utiliser pour la délivrer. Vous avez donc le matériel qu'il faut. C'est-à-dire, vous devez avoir l'encens. Le voici. Voilà l'encens. Vous devez avoir aussi une bougie. Et voilà la bougie qui s'allume là.
Vous devez aussi avoir un couteau. Voilà le couteau. On peut dire que c'est un couteau mystique. Et enfin, vous devez avoir l'alcool à 95 degrés. Voilà l'alcool à 95 degrés. Alors, tout ce matériel vous permet donc de réaliser le principe spirituel le plus mystique, le plus puissant, qui est un pouvoir né de la force de la nature. C'est ça qu'on appelle le rituel du pentagramme. C'est le haut grade de tous les rituels que vous pouvez connaître. Ce rituel, donc là, tout le monde doit le connaître et il est assez simple à réaliser. Il sert à couper, mais aussi à renvoyer le mal d'où il est venu. Et il sert aussi à détruire les forces sataniques, d'où qu'elles soient. Le but ici n'est pas seulement de délivrer la petite Fatou, mais c'est aussi de détruire le groupe. C'est-à-dire que détruire les trois autres filles qui l'ont enrobée dans cette secte satanique invisible. On va les détruire toutes les trois. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut commencer. On allume d'abord le charbon. Allumage du charbon. On allume la bougie, enfin. On a l'encens. Le voici. Une fois donc on a tout ça, il faut donc inscrire sur le sol. Alors là, le tapis, là, il est à l'image du pentagramme. Regardez très bien. Et attention, nous sommes face à l'est. Et il faut savoir que le pentagramme doit être tracé de cette manière-là. Et je vous ai dit comment on trace donc le pentagramme. Il est tracé à la levée, c'est-à-dire comme ça. Jamais en des pièces, non, jamais. Le pentagramme doit être tracé à la levée. Nous l'avons donc tracé à la levée. Vous aussi, vous devrez faire donc ce genre de pratique. Faites-le à la levée. C'est très simple, vous allez voir. Une fois donc vous l'avez fini, le pentagramme est inscrit sur le tapis au sol. Vous entrez maintenant la victime. Et c'est très, très, très facile. Allez. Au troisième millénaire, fais-le. Au troisième millénaire, ce que tu dis, démontre-le. Et ce que tu fais, montre-le. C'est pour cette raison que je vous montre ces choses. Mais en fait, je ne vous les montre pas pour vous montrer que je suis très fort. Non. Je ne le fais pas. Je le fais uniquement parce que la démonstration fait partie de la spiritualité. Et la spiritualité, c'est une science. Celui qui ne démontre pas ce qu'il fait, normalement et naturellement, n'est pas scientifique. C'est qu'il ne pratique pas la spiritualité. C'est pour ça que sont finis les grimoires, sont finis les loges mystico-spirituelles cachées. Rien n'est plus caché au troisième millénaire. Tout est ouvert. Tout est à la lumière de la conscience humaine aujourd'hui. C'est pour ça que je vous montre ces choses. Et c'est pour ça que j'ai créé l'Institut international de formation en exorcisme. Parce que ce que je fais là, ne croyez pas que c'est facile, ne croyez pas que vous allez vous réveiller le matin et le faire. Devenez donc le parfait exorciste d'Imhotep, parce que en fait, c'est dans les loges d'Imhotep qu'on faisait ce genre de pratique d'exorcisme. Donc, l'Institut international pour la formation en exorcisme vous permet de devenir comme moi. Parce que la plupart des gens m'écrivent, « Monsieur Benoît Buton, je vais devenir comme vous. » Mais pour devenir comme moi, je ne suis pas une génération spontanée, je l'ai travaillé. Pour donc l'avoir travaillé, je vous le transmets. Regardez la deuxième partie de la libération de Fatou. Comment j'arrive à délivrer Fatou de ce monde infernal dans lequel elle se trouve prise au piège? C'est simple, regardez. Alors, regardez bien la consistance. Voilà le pentagramme qui est là. Et à l'intérieur, donc dans l'espace central, il y a le monogramme du feu. Le voici ici. Voilà le pentagramme que nous avons montré la fois dernière et que nous vous montrons encore ici et maintenant. Et à l'intérieur, il y a le monogramme de feu. C'est exactement ce que nous avons reproduit au sol. C'est-à-dire, il y a le pentagramme qui est tracé sur le tapis. Et nous avons dit à même le sol. Et puis, à l'intérieur, il y a le monogramme de feu. Nous allons donc faire pénétrer la petite Tati. Fatou, autant pour moi. Et nous allons donc commencer sa libération. C'est simple. Vous allez voir que c'est trop simple. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Vous allez donc mettre maintenant votre encens sur l'encensoir. Il est là. Votre encens. L'encens commence déjà à fumer. Ensuite, vous avez allumé la bougie depuis longtemps. Et ensuite, la petite Tati, vous allez l'asperger de l'alcool à 95 degrés. Attention aux yeux, parce que ça peut piquer. Ferme les yeux. Voilà. Nous lui aspergeons. Parce que, en fait, le but, c'est de couper son lien magnétique qui l'unit à la secte. Alors, les trois autres filles, comme on va la déconnecter, ne pourront plus jamais la voir. Et les trois autres filles, nous allons aussi les détruire pour qu'elles ne nuisent plus aux autres et à autrui. Mais Tati, on va la sauver. Pourquoi? Parce qu'elle n'y est pour rien. Elle a été enrôlée pendant qu'elle ne le voulait pas. Aussi naïve qu'elle est à son âge, elle a accepté. Elle a commencé à faire l'acte de tuerie. Et je rappelle qu'elle a tué son frère quand même. Et une fois on l'a fait, c'est maintenant au tour du couteau de jouer. Nous allons simplement tracer le côté à partir de l'ouest et sur tous les autres quatre coins de l'univers. C'est-à-dire, nous allons faire à l'est, au sud, à l'ouest,
au nord. Et c'est comme ça donc que nous allons découper. Et à chaque fois qu'on découpe, on trace au pentagramme avec le couteau. Et c'est comme ça justement qu'on est en train de découper complètement tout le lien magnétique qui unit la petite Fatou à la secte. Regardez comment ça se passe, c'est très simple. Nous allons tracer à la levée les quatre coins cardinaux. Je coupe le lien magnétique qui unit Fatou à la secte. Je coupe ce lien magnétique. Je coupe ce lien magnétique qui l'unit à la secte. Je coupe le lien magnétique. Je le coupe. Vous avez vu, j'ai commencé par l'est et j'ai terminé par l'est. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je vais dire maintenant ce que je veux et je ne dirai plus jamais je voudrais, non. Ce que je veux ici et maintenant va se réaliser sur la petite Tati et aussi va influer sur le groupe que je voudrais détruire. Ce que je veux ici et maintenant, c'est que non seulement la petite Fatou soit libérée, mais je veux que le groupe qu'il a utilisé pour aller tuer les gens soit anéanti et soit détruit par le pouvoir de la force du pentagramme que j'ai tracé sur le sol dans lequel est placé le pied de Fatou et qui va user de tout son pouvoir et toute sa force pour détruire le groupe. Et à partir de cet instant, le groupe n'existe plus. C'est tout. Vous dites ce que vous pensez et c'est tout. Vous n'avez rien d'autre à faire, c'est tout. C'est un rituel sacré, le pentagramme. Beaucoup de gens qui appartiennent à des groupes religieux vont dire que Benoît Béton, c'est un sorcier. J'en rigole, j'en ris. Parce que je lis la plupart du temps leurs commentaires sur les réseaux sociaux commentant mes propres prouesses mystico-spirituelles. En fait, ils ont peur. La peur qu'ils ont, c'est qu'on les a influés une certaine connaissance qui n'est pas la leur, qui vient d'ailleurs, qui n'est pas négro-africaine. Moi, j'applique la spiritualité selon Imhotep. Et Imhotep était un noir comme moi, avec les cheveux crépus comme moi, avec un nez épaté comme moi. Donc, je suis un noir. Je suis un être humain à part entière et entièrement à part. J'ai une conscience. Cette conscience-là est liée à ma mystagogie spirituelle, à l'univers cosmologique de laquelle je descends. Donc, je suis un être humain entièrement à part et à part entière. Je ne suis pas un sous-être humain. Je ne pense pas que les autres sont meilleurs et mieux que moi. Je ne me sous-estime pas. C'est pour ça que je vous ai montré tout ça, pour que vous commentiez encore un peu plus. Et quand vous commentiez négativement contre moi, c'est là où je m'élève plus. Donc, commentez négativement. Mais je sais que les gens pour lesquels ce genre de discours est dirigé ont compris ce que je veux dire par là. Alors, je vous ai demandé en première lieu de cette émission que cherchez un verre d'eau. L'eau minérale avec un petit caillou. Maintenant, je vous dis comment ça se passe. Versez le verre dans le verre d'eau de l'eau minérale jusqu'à le remplir. Prenez le petit caillou, mettez-le à l'intérieur. Attention, il s'agit ici d'une force mentale que vous devez utiliser parce que dans la cosmogonie négro-africaine, le mental est la première loi de la nature. C'est-à-dire que votre première loi, c'est votre mental et le mental, c'est la pièce centrale de la foi. Donc, tenez donc ce verre d'eau avec le petit caillou à l'intérieur, avec la main gauche. Mettez votre main droite sur le cœur. Et là, maintenant, vous allez vivre une expérience. Que vous soyez religieux ou non, faites-le. Et vous allez me remercier après. Alors, maintenant, sur le verre d'eau, dites simplement Onis, 9 fois. Onis, 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 9 fois de suite. Et après, buvez de cette eau par 9 gorgées. Le reste, aspergez-vous sur le corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une maladie quelle qu'elle soit, une agression extérieure quelle qu'elle soit, que ce soit un cancer, que ce soit le paludisme, que ce soit le VIH, que ce soit n'importe quelle autre maladie, attention, c'est le mental qui joue. Les médecins appellent ça l'effet placebo, mais ce n'est pas l'effet placebo, c'est la loi de la mentalité, c'est la loi du mental, la première loi de la nature. Elle est puissance, elle est attrayante, elle est attraction. Cette attraction permet que les forces cosmiques dans lesquelles vous avez implanté dans le verre d'eau vont agir en votre faveur en relation avec la performance de votre mental. Parce que le mental est la première loi de la nature. Alors, écrivez-moi à la fin de l'émission. Dites-moi ce que vous avez ressenti, mesdames et messieurs. Ce n'est pas moi qui fais, c'est vous qui faites. Ce n'est pas moi qui suis vous. Vous n'êtes pas moi, je ne suis pas vous. Vous êtes vous-même. Je vous donne simplement la clé de la délivrance. Mesdames et messieurs, c'est comme ça que ça se passe. Alors, le Mbombo Benoît Béton aussi a mis en place une parapharmacie. Celle qui vous permet qu'au quotidien, vous puissiez vous faire des grandes façons de vivre.
La magie au quotidien vous permet de pouvoir vous protéger, la guérison, la purification, la concentration, la concertation mystique, la méditation, la vitalité et le bien-être. Ça vous permet de pouvoir vivre. On appelle cela le service pour l'humanité. Je rends service à l'humanité en leur apportant la connaissance nécessaire. Mais ce n'est pas tout. Cette petite parapharmacie également vous permet d'être en bonne santé avec les produits Astra que nous avons mis en place. Et je rappelle que c'est mon épouse prêtresse qui les a mis en place, la parapharmacie du Mbombok, c'est-à-dire la santé, la longévité, la prospérité. Vous savez que c'est le triangle montant, le triangle de l'existence. Un être humain doit pouvoir d'abord avoir cette consistance physique afin de pouvoir continuer son œuvre mystico-spirituelle. Il faut la santé, la longévité et la prospérité afin de pouvoir garantir maintenant dans l'espérance de vie où on peut arriver à agir et à réaliser son destin sur Terre. Ce n'est pas tout. L'émission continue avec ce que nous allons apprendre aujourd'hui de plus grand sur la protection, l'école du dimanche. Alors, à partir du mois de mars prochain, nous allons rentrer donc dans les grandes rencontres spirituelles. Ces grandes rencontres spirituelles, dès mars 2022, tous les samedis à 21h GMT. Pour participer, il faudra simplement demander le lien au numéro de téléphone qui s'affiche 00237-677-24-67-96. Vous aurez donc accès à un lien qui vous permettra de pouvoir accéder donc à cette grande rencontre mystico-spirituelle pour apprendre un peu plus, parce que la plupart des gens me demandent, mais Benoît Biton, on veut s'initier, mais comment faire, je ne sais pas. Nous avons donc mis la cellule mystico-spirituelle de Carrefour des Mystères, a mis en place donc un lien spirituel que tout le monde devrait avoir pour tous ceux qui voudraient participer aux grandes rencontres spirituelles. Nous allons parler par exemple de protection. C'est cette protection que nous allons commencer par parler de ce soir. Nous allons dérouler ce que c'est que la protection. Ce sont les élévations des fréquences. Ça s'appelle en d'autres termes en science les calculs stochastiques. Quels qu'ils sont, les calculs stochastiques, regardez. Comme je l'ai toujours dit, la protection n'est pas un format idéologique. La protection, c'est un art mystique et spirituel qu'on atteint par l'évolution spirituelle. C'est une forme de conscience qu'on atteint, la conscience de la protection. Ça relève quoi? Ça relève de l'élévation des fréquences. C'est-à-dire qu'on élève les fréquences d'une fréquence basse à une fréquence haute. Ça s'appelle, en d'autres termes électroniques, les calculs stochastiques. Donc les calculs stochastiques sont également aussi un effet de notre psychologie intérieure, de notre pouvoir et de notre force intérieure. C'est ce développement de force intérieure qui nous permet donc de veiller notre conscience et de l'élever sur le point des fréquences les plus élevées. Regardez comment ça se passe. À la base, on n'est pas prédisposé à l'élévation des fréquences. Parce qu'à la base, on a une conscience corticale. Maintenant, à la base du travail que nous allons faire, c'est lui qui va donc développer nos pouvoirs extrasensoriels afin de pouvoir gravir les échelons de fréquences et aboutir à ce qu'on pourrait appeler la vibration. C'est cette vibration qui est donc l'agrégat de l'élévation de nos fréquences qui permet que nous puissions repousser toutes les attaques extérieures. Donc, quelle que soit l'attaque extérieure, d'où qu'elle vienne, c'est une protection assurée parce que nous avons élevé nos fréquences supérieures. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il faut la méditation. La méditation est la science royale de l'âme, celle qui permet de veiller et de réveiller les consciences supérieures, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles soient, quelle que soit leur nature, de pouvoir les élever sur le champ des fréquences. Ça s'appelle les calculs stochastiques de la vibration de la méditation. D'où alors la protection ne relève pas d'un gangan, d'un prêtre ou d'un pasteur. Ça ne relève pas d'un médiateur indispensable entre moi et moi-même. La protection relève
de la hauteur de notre spiritualité, de l'élévation spirituelle et de l'atteinte de la conscience cosmique. Ça veut dire qu'un individu qui s'élève en conscience va s'élever en fréquence et va donc atteindre la vibration. Cette vibration devient donc comme une coque de protection extérieure où aucune agression extérieure ne peut y déroger. La protection ne relève pas d'une génération spontanée, c'est-à-dire qu'à la base, on ne se révèle pas déjà un protégé, non. La protection est un mystère intérieur. C'est une intimité mystique et cosmique qui permet qu'une fois on a développé le pouvoir intérieur, on a donc la force et la capacité motrice de pouvoir se protéger contre toute attaque mystique. Les différents types de méditation mystique et spirituelle nous permettent d'atteindre le mystère même de notre conscience, c'est-à-dire qu'atteindre les champs de conscience de plus en plus élevés pour pouvoir aboutir donc au type de protection dont nous avons parlé, la protection par la vibration extérieure. Les différents types de méditation qui sont et relèvent donc de notre pouvoir intérieur, comme je l'ai dit, des cinq centres moteurs que nous avons. La méditation du cerveau, la méditation du cœur, la méditation de l'estomac, la méditation des deux reins et la méditation du sexe. Ce sont des opportunités mystiques et spirituelles qui nous sont révélées et qui nous sont données à la naissance, à la base, par le cosmos, de pouvoir atteindre la cime de la protection qui nous permet de pouvoir être en phase avec le élément cosmique lui-même. C'est ça qu'on appelle les forces motrices intérieures, qui sont véritablement des armes et des armures qui sont contre les attaques extérieures, quelles qu'elles soient. Qu'elles soient physiologiques, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient psychiques, qu'elles soient sorcières, ou qu'elles soient de quelque autre nature que ce soit, en sorte que nous puissions toujours garantir à notre corps physique et physiologique l'effervescence d'une... Alors, à partir de cette donnée, vous comprenez que le monde est une véritable escroquerie. C'est parce qu'on vous exploite mentalement par ignorance, vous n'en savez rien. Qu'un individu se prétestant être un tradit praticien va dire que je vous protège. Ou alors, qu'il soit un religieux, quel qu'il soit, je ne prononce pas les noms des obédiences religieuses, je n'en ai que dalle. Mais qui se présente devant vous pour vous dire que je vais vous protéger, ou alors venez dans mon église, je vous protège. C'est un mensonge erroné. Personne ne peut vous protéger, mesdames et messieurs. Vous êtes vous-même la clé de la protection. Seulement, il faut avoir la connaissance de pouvoir comprendre qu'en nous, nous avons des centres moteurs qui sommeillent, le cerveau, le cœur, l'estomac, les deux reins et le sexe. Si vous les réveillez, vous allez atteindre le pentagramme sacré en vous. Et le pentagramme sacré, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un moyen mystique de pouvoir avoir le pouvoir de la nature. L'eau, le feu, l'air, la terre et l'éther. Vous avez le pentagramme, donc vous avez le pouvoir. Qui donc peut se targuer de dire que je te protège alors que tu as toute cette armure-là? Pourquoi le faites-vous? C'est parce que vous avez l'ignorance. Comme disent les Ivoiriens, c'est ça qui est la vérité. Qu'est-ce qui fait tuer l'être humain, en l'occurrence le noir? Ce qui le fait tuer, c'est l'ignorance. Et l'ignorance est la plus grave des maladies. Parce que si seulement il savait qu'à l'intérieur de lui, il y avait des grands pouvoirs mystérieux, il ne se réveillerait pas à donner sa vie à n'importe qui, à un gangang, à un tradit praticien, à un prêtre ou à un pasteur. Parce que, en fait, quand vous vous donnez aux autres personnes, notamment vous donnez votre vie, vous engagez dans votre vie, parce que ceux-là ne peuvent jamais être un médiateur invincible entre vous et vous-même. Ceux-là ne peuvent que vous exploiter. Donc c'est par l'exploitation de l'être humain, par l'être humain, que vous arrivez donc à tomber dans ce genre de piège. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est de comprendre la nécessité et la mystique même des pouvoirs mystérieux de l'être humain. L'être humain en a tellement qu'il peut pouvoir développer tout ceci, il va donc être le plus invincible des êtres humains qui vivent sur terre. Si vous arrivez donc à refaire les pouvoirs mystérieux de l'être humain, vous arrivez donc à les développer, mais vous deviendrez plus fort, invincible, surnaturellement puissant. Et c'est ça qu'on appelle la puissance. La puissance est l'exercice du pouvoir intérieur qu'on a éveillé et que l'on dispense vers l'extérieur. C'est ça qu'on appelle la puissance. Alors, donc, le pouvoir du cerveau, il vous permet donc de pouvoir avoir la conscience ouverte pour que, même de nuit comme de jour, personne ne puisse vous attraper. Ça, c'est le cerveau. Maintenant, vous avez le cœur. Le pouvoir du cœur, quand vous le développez, en principe, il doit vous donner et garantir donc une espèce de courage. C'est ce qui vous permet de pouvoir avoir toujours le dessus sur votre adversaire, quel qu'il soit. Le pouvoir de l'estomac, parce que l'estomac, c'est en vous le centre divin. Le centre divin qui existe en nous, c'est l'estomac. Donc, quand on développe donc le pouvoir de l'estomac, mais le divin en nous se réveille. Et quand le divin en nous se réveille, qui peut être contre nous? Attention, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Personne. Vous avez donc le pouvoir des deux reins. Il faut savoir que les reins jouent le rôle excréteur dans notre vie.
dans notre corps, dans notre constitution organique. Et les reins également peuvent jouer le rôle de purification du corps. C'est pour ça que les reins sont exactement le centre moteur le plus important, parce qu'ils expurgent, ils purifient. Vous avez le pouvoir sexuel. Ceux qui utilisent encore la sexualité bestiale sont exemptés des forces mystiques et intérieures qui puissent en réveiller les autres centres du corps moteur. La sexualité est sacrée. La sexualité n'a jamais été donnée à l'être humain pour un simple plaisir. Non, c'est par nativisme et non par érotisme qu'on voit la sexualité. Si vous arrivez donc à la sexualité nativiste, vous réveillez les centres moteurs en vous, vous avez la capacité, vous avez le pouvoir, vous avez la puissance. Et si vous avez donc tout ceci, qui peut donc être contre vous? Qu'est-ce qui peut être contre vous? Mais rien. L'ignorance est une maladie, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais les gens comme le Mbombok Benoît Biton, ne dites pas que je n'avais jamais su, je n'avais jamais compris. Je suis là. Et je vous dis ce qu'il faut faire. Je ne vous dis pas de me croire au mot. Non, mettez simplement en expérience et en exergue ce que je vous dis. Et si par expérience vous trouvez que c'est la vérité que je vous dis, mais c'est vrai, je ne suis pas un maître ni un prophète. Je suis simplement un chercheur qui est arrivé et qui a atteint son degré le plus haut de spiritualité et qui vous rend service en vous disant les exploits de sa propre expérience. Parce que le véritable maître, ce n'est pas celui qui vous donne un enseignement. Le véritable enseignant n'est pas celui qui vous donne un enseignement livresque, mais c'est celui qui sait vous rendre service en vous donnant une expérience expérimentale que lui-même il a vécue. Donc, en vous enseignant par l'expérience de sa propre vie, eh bien, c'est ce que je fais. C'est ça qui est la vérité. La protection n'est pas que la protection. La protection, c'est un câble qui permet qu'un individu puisse être en réflexion avec lui-même. On appelle ça la protection expulsive ou alors réflexive. Celle qui permet qu'on entre en contact avec son moi intérieur. La prière de la protection, c'est quoi? C'est l'instant momentané où l'être humain, qui est le moi inférieur, se met en connexion avec le divin, qui est le moi supérieur, au moyen d'une volonté magiquement développée. D'où la protection expulsive permet qu'on développe d'abord le pouvoir de la volonté. Celui qui n'a pas le pouvoir de la volonté peut dire adieu à la protection, parce que la protection relève d'un pouvoir intime. L'intimité donc de ce pouvoir-là, c'est la volonté magiquement développée. C'est une volonté magiquement développée, parce que en fait, la volonté c'est une magie. Celui qui ne connaît pas la magie du développement de la volonté ne peut pas prétendre être protégé un jour, parce qu'en fait, la protection ne relève pas d'un gangan, d'un mystique prêtre, pasteur ou d'un tradit praticien. Non, ça relève de soi-même. Parce que la grande question exponentielle qui existe la plupart du temps et qui existera toujours, c'est que est-ce qu'autrui est-il un médiateur valable entre moi et moi-même? Personne ne peut m'aimer mieux que moi-même. Quel qu'il soit, qu'il soit mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, personne ne peut m'aimer autant que moi, je peux m'aimer moi-même. D'où alors, il faut développer donc cette volonté magiquement développée pour pouvoir avoir la conscience pleine. Et pour cela, il faut un tableau. Ce que j'ai la plupart du temps appelé le tableau de la foi. De votre côté, nous avons ce qu'on appelle la peur, le doute et le découragement ici. Voilà les ennemis de la foi. Et si maintenant il faut avoir la victoire de la volonté, volonté sur l'imagination. Une fois que vous avez résolu cette équation, vous avez la puissance, parce qu'en fait, toute puissance relève du combat contre la peur, le doute et le découragement et du développement de la victoire de la volonté sur l'imagination. Parce que l'imagination humaine peut être source du doute, de peur et de découragement, mais la volonté est source de puissance, de foi. C'est le mécanisme de la foi que je vous ai démonté ici. C'est celle qui permet que vous puissiez donc arriver à ce qu'on appelle la protection expulsive. D'où en fait c'est un câble qui vous permet de pouvoir détruire tout ce qui vous attaque de l'extérieur, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, quelle que soit sa nature. Ce soit un être humain, votre père, votre mère, votre voisin, votre voisine, personne ne peut vous attaquer sans qu'il ne puisse recevoir en retour la puissance exponentielle que vous dégagez dans votre corps. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité, comme disent les Ivoiriens. Vous comprenez que le monde est une escroquerie, c'est-à-dire qu'on a mis devant les êtres humains sur un tableau ce qui les aperçoit de pouvoir se dompter eux-mêmes, c'est-à-dire que ce qui les plonge dans le puits. Et quand les gens qui ont mis cette structure, cette stature-là, cette structure d'escroquerie vous exploite, ils vous piétinent quand vous chutez.
parce que vous êtes leur foi, vous êtes leur élément et vous êtes leur fidèle. C'est pour ça que généralement les gens se fidélisent aux êtres humains en s'appelant eux-mêmes les fidèles de telle obédience, de telle religion, même dans la tradition. Je vous parle un peu du Mbok. Ce qu'on appelle le Bambombok, que je connais très bien parce que c'est de ma culture, c'est une religion et elle n'a rien à voir avec la spiritualité parce que la spiritualité et le Mbok et la religion en général, ça fait deux mondes. La religion, quelle qu'elle soit traditionnelle, qu'elle soit philosophique, qu'elle soit occidentale ou alors n'importe quelle obédience, elle est d'abord source d'escroquerie. Escroquerie physique, escroquerie morale, escroquerie spirituelle, escroquerie psychologique, escroquerie mentale et psychique. La vérité, c'est quoi? C'est que l'être humain a le devoir lui-même de pouvoir devenir son propre maître. Parce que le premier devoir d'un être humain, c'est d'abord se protéger. C'est pour cette raison-là que pour l'école du dimanche de ce soir, je vous ai parlé de la protection. Alors, maintenant, nous allons parler des bannières. Voir ce qui va se passer en mars prochain au Togo, au Bénin plutôt. Il va se passer donc au Bénin le 26 mars jusqu'au 2 avril. Des stages initiatiques, une consultation, des guérisons. Bref, je serai à Cotonou. Et Cotonou, donc, ce sera pour une semaine de stages initiatiques, de consultations et de guérisons. Et prochainement, donc, justement, le samedi ce prochain, le 5 mars, ce sera donc à Kribi, où je vais donc faire ce qu'on appelle les nuits de délivrance, les nuits de l'exorcisme. Ce sera donc le samedi 5 mars. C'est ici au Cameroun, pour ceux qui connaissent bien Kribi. Pour les contacts et réservations, vous voyez, ça s'affiche en bas de votre petit écran. Et maintenant, après, il y aura donc d'autres articulations qui suivront. Mon réalisateur va vous montrer au fur et à mesure qu'est-ce qui va suivre. Et finalement, il y a également aussi ce qu'on pourra dire la magie au quotidien. Pourquoi? Parce que les gens me posent beaucoup de questions. Mais que faire, mon Benoît Biton, pour pouvoir donc réaliser telle ou telle chose? Comment donc faire? Comment arriver donc à aboutir cela? Donc, la magie au quotidien vous permet de pouvoir avoir les packs. Ces packs-là, justement, vous les aurez donc pour la protection, pour la guérison, pour la purification, la concentration, la méditation, la vitalité et le bien-être. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi savoir qu'il y a d'autres éléments, la santé au quotidien, la parapharmacie du Mbok, réalisée et élaborée avec et par mon épouse prêtresse. Il s'agit donc de tous les produits nécessaires d'Astra qui vous apporteront donc la santé, la longévité, la prospérité. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi l'Institut international de formation en exorcisme qui est la maison de la parapsychologie que je vous parlais tout à l'heure là. Devenez donc le parfait exorciste comme vous me voyez faire. Ne le faites pas comme ça chez vous parce que vous ne réussirez jamais et vous exposez même justement à des accidents. Ne le faites jamais. Si vous voulez donc le faire, inspirez-vous. Alors, les grandes rencontres spirituelles, c'est dès mars 2022. Ce sera donc tous les samedis dès 21h, heure de votre pays, mais GMT. Pour participer, donc, il faut simplement demander le lien au 00237-677-2467-96. Mais aussi, justement, il faut comprendre que la vie humaine ne relève pas seulement d'une grande propriété spirituelle, mais ça relève également d'une vie. Cette vie-là est donc le paravent même, justement, de la conscience que l'on devrait donc expérimenter. Regardez. Le royaume des cieux n'est pas pour les faibles. Le royaume des cieux, c'est pour les forts. Et attention, le royaume des cieux, ce n'est pas dans le ciel. Le royaume des cieux, c'est en soi-même. Or, pour pouvoir rentrer donc en réflexion en soi-même et vivre donc la véritable aventure intérieure, il faut être puissant, il faut être fort. En fait, celui qui est fort ne croit pas en Dieu. Attention, croire en Dieu, c'est une apologie, en fait, de l'exubérance et de la paresse de l'humain face à lui-même, face à sa propre expérience intérieure. C'est ceux qui sont faibles qui croient en Dieu, qui croient qu'il y a une puissance supérieure en eux, qui peut donc travailler à leur place. Mais non, il n'y a pas de justification, il n'y a pas de sauvetage. Personne ne vous a sauvé, personne n'est votre Dieu. Vous êtes vous-même votre propre Dieu, c'est ce qu'on appelle le divin. Et si vous atteignez donc ce divin-là, vous avez la capacité de pouvoir vivre comme un Dieu. Vous êtes un Dieu en ce moment-là. Attention, il y a des gens qui vont comprendre ça au premier degré, mais les mystiques comprendront réellement ce que je veux dire. Ou alors ceux dont ce genre de discours est destiné comprendront ce que je veux dire. Celui qui croit en Dieu, Dieu ne fera rien pour lui. Mais celui qui connaît Dieu vivra éternellement en Dieu parce que celui-ci deviendra donc son mouvement et son être. Vous avez le mouvement et l'être, vous avez atteint le divin et vous êtes vous-même un divin. Mais c'est ça le but initiatique dans la spiritualité négro-africaine. Ce n'est pas croire en Dieu. Les Africains tels qu'ils sont authentiquement à l'époque d'Imhotep, quand je parle des Africains, pas ceux d'aujourd'hui qui sont devenus à la fois chrétiens, musulmans et autres. Je parle des Africains typiques, authentiques.
qui ne croient pas en Dieu. Parce que croire en Dieu, c'est nier même son existence. Mais connaître Dieu, c'est accepter cette existence, mais vivre avec elle en soi, devenir soi-même cette existence. Parce qu'en fait, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Si le divin donc est à l'extérieur, il est également aussi à l'intérieur. Mais il y a un blocage pour pouvoir pénétrer le divin à son intérieur. C'est ce blocage qu'il faut détruire. C'est par la méditation, c'est par l'initiation, et c'est par l'initiation mystique et spirituelle qu'on arrive en allumant tous les cinq centres moteurs, comme je l'ai dit, qu'on arrive donc au divin. D'où alors le divin et moi ne faisons qu'un. Quand je fais corps et le divin est en moi et que moi je suis dans le divin, je suis puissant. Même les personnes ne peuvent rien contre moi. La puissance, c'est ça. La puissance, c'est pas le pouvoir. Le pouvoir est intérieur et il sommeille. Mais quand il se révèle donc être une puissance. Et quand la puissance est en activité, vous êtes Dieu. Parce que vous avez en vous le divin qui s'est réveillé. Vous avez atteint votre génie. Voilà le sens et l'essentiel même de la spiritualité micro-africaine. C'est ça qui est la vérité. L'heure de vérité. Bienvenue dans le monde obscur des sociétés secrètes. Pour mieux vous informer sur les mystères cachés, ainsi que ceux qui les détiennent, l'heure de vérité qui retrace les dits et les non-dits mystiques de la société africaine et d'ailleurs. Les confréries occultes existent depuis des millénaires. Leurs membres sont parmi nous. Ils sont partout. L'heure de vérité pour mettre en lumière les vicissitudes et pratiques dénoncées, pour dévoiler les clichés qui font entaille à la connaissance universelle. L'heure de vérité, c'est pour donner l'alerte, pour signaler, pour dénoncer, mais surtout pour faire établir la vérité en temps et en heure avec des invités de marque de tous bords. Mystiques, spirituels, guides traditionnalistes, gnostiques et bien d'autres encore. L'heure de vérité. Bienvenue dans le monde obscur des sociétés secrètes. Pour mieux vous informer sur les mystères cachés, ainsi que ceux qui les détiennent. L'heure de vérité, c'est la lecture justement du résultat du test d'expérimentation que vous avez fait. Alors, Léonie de Douala dit, « Quand j'ai bu de cette eau et quand je les ai aspergées sur moi, j'ai compris et j'ai entendu quelque chose bouger dans mon ventre. Je ne savais pas que j'avais quelque chose dans mon ventre. » Qu'est-ce que c'est un bombok? Ce n'est rien d'autre qu'un totem que vous avez dans votre ventre, Léonie. Et il y a Pascaline de Libreville qui écrit, « Bonsoir, bombok. Avec l'expérience que je viens de faire, je ne me suis plus jamais senti autant à l'aise que là. Les douleurs que j'avais au niveau de mon ventre, je ne les sens plus. Les lourdeurs de mon pied, je ne les sens plus. Et la grippe de mes yeux, je ne les sens plus. » Donc, Mbombok, qu'est-ce que vous avez dit et qu'est-ce que je dois faire pour la suite? Vous ne devez rien faire d'autre que refaire l'expérience afin de pouvoir surseoir une véritable force sur vous, afin de pouvoir garantir une santé éternelle dans votre corps. Et il y a Notingé de Libreville, toujours au Gabon, qui dit, Mbombok, quand j'ai fait l'expérience, j'ai senti comment ma tête tournait comme une tempête. J'ai senti des bourdonnements dans mes oreilles. Je crois que quelque chose est dans mon cerveau. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est, monsieur, mais ce que je pense, c'est que dans votre tête, vous aviez la prétention d'avoir un AVC, un accident vasculaire cérébral. Ça veut dire qu'il y avait un caillot de sang qui s'était donc figé dans votre cerveau. Et effectivement, vous avez donc libéré ce caillot de sang. C'est pour ça que vous avez eu un étourdissement. Dites simplement merci à vous-même parce que vous l'avez fait. Et le dernier, il nous écrit de Paris. C'est Jean-Charles de Paris. Bonsoir, Mbombok. Je suis Guadeloupéen. Je vis en France. Une fois j'ai fait l'expérience, je me suis senti vide. C'est comme si je n'existais plus. C'est comme si je lévitais. C'est-à-dire que je me supplantais des pieds, le sol. Et c'est comme si j'arrivais plus du tout à savoir où je suis, ni où j'en suis, ni qui je suis. Cela a duré 5 minutes. Dis-moi ce que c'est. Est-ce une lévitation? Est-ce une télépsychie ou alors est-ce simplement un événement mystique? Non, ça veut simplement dire que vous avez une préposition à pouvoir défaire de votre corps votre propre âme.
C'est-à-dire que vous avez la possibilité de pouvoir voyager astralement. Cette eau pouvait vous permettre de pouvoir voyager astralement si vous étiez préparé. Alors, il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup de lectures à faire, il y a beaucoup de réponses, mais on ne peut pas tout lire. Bon, le reste, je le lirai simplement comme ça et puis je donnerai les résultats comme ça sur le téléphone. Alors, ce que nous devons donc faire maintenant, c'est de comprendre ce que c'est. C'est-à-dire que la spiritualité relève du mental. La puissance et le pouvoir relèvent du mental. Mais maintenant, ça dépend de quelle culture on a fait pour y arriver. Alors, beaucoup de gens en Afrique m'ont écrit, en Europe, partout, de pouvoir assister et participer tant bien que mal et comme ils le peuvent à des fan clubs. Alors donc, j'ai donc créé donc, des fan clubs dans chaque pays. J'ai créé des fan clubs, par exemple, en Côte d'Ivoire. Il faut voir avec M. Nyamba, ça s'affiche au téléphone, sur votre numéro de téléphone ou bien sur votre petit écran. Le téléphone, c'est 00225 01 41 69 68 67. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, contactez M. Nyamba. Si vous êtes à Burkina Faso, contactez M. Traoré. 00226 58 54 74 94. M. Traoré. Si vous êtes au Cameroun, c'est M. Hundia. 00237 677 70 67 16. Si vous êtes au Congo, c'est M. Kitenge. 00243 970 005 769. Si vous êtes au Bénin, c'est Mme Landedji. 00229 97 85 77 66. Si vous êtes donc en Europe, quelque part partout, vous contactez donc seul le WhatsApp uniquement en France, le 0033 6 41 57 65 11. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici que prend feu cette nouvelle édition de Carrefour des Mystères. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup d'avoir participé. Si vous avez aimé, très bien. Si vous n'avez pas aimé, faites-nous le savoir. On va s'améliorer et faites mieux la prochaine fois. Merci d'ici et là à la direction d'Info TV qui a permis que cette émission puisse avoir lieu. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné dans cette émission. Je vous dis que je suis né pour briller. Moi, je suis né pour briller. Et vous, né pour briller. Né pour briller. Les petits jaloux, les petits sorciers. Né pour briller. Les petites flèches de nuit ne pourront rien. Né pour briller. Même si c'est les petits bandits qui viennent me fouler. Né pour briller. Le plan de Dieu ne va sauf que se réaliser. C'est toi le sorcier qui veut me faire du mal et qui veut m'ensorceler pour éteindre mon étoile. Toi qui veux me tuer, oh, je t'ai dit tu pourras pas, car mon Dieu il est là, il pourra me sauver. Toi qui veux m'embêter, oh, pour éteindre mon étoile, je t'ai dit tu es petit, je suis né pour briller. Qui veut me voir chuter, qui parle tous les jours que je vais tomber. Tu veux me voir finir, tu veux me voir chuter, mais mon Dieu il est là, il pourra me sauver. Toi qui veux m'embêter, oh, pour éteindre mon étoile, je t'ai dit tu es petit, je suis né pour briller. Des montres en or,
Tu ne peux pas, tu ne pourras pas décider à la place de Dieu. Dans une fois que tu apparais dans les rêves de quelqu'un. Oui. Quelqu'un rêve qu'il est en train de manger la nuit. Alors que ce n'est pas un. Voilà, mais comment?